Bonjour, ma téléspectateur, Nabiso Nyonso, il y a RDC Monde TV. Tu es le sous-sous, le bosso, il y a ba etandoike Nabino. Oye, ba benga na français télévision. Kope Sabino, ba actualité à temps réel, comme d'habitude. Boum, me sanonde, tu es bisaki bino. Tu zongeli bino, poto me kempe, ko partage na bino régulièrement. Ba information, oye, ko le kanakati, ya etando, yamboka, ya ekolo, RDC Congo. Et le lot, toza, na likambo, mpe, si j'aime toko me kempe, ko développe, ensemble, na bino, oyo, zali, si j'aime beaucoup, ya actualité, oyo, zoko, ekozo effrayé, chronique, na kati, ya RDC, parce que, boye bien que, tata ekolo, ya mokonzi, yamboka, ayamba maki pa Christian Osakweno na journaliste mususu oba mekaki mpe kolobela makambo oyo kolekala kati ya ekolo Congo. Mais biso to ko sala démarcation moko poto meki mpe ko sala analyse d'une manière très rationnelle lelo pour savoir qui est le vrai parrain ya makambo ya ba M23. Alors to monaki lobby sans plus tarder to ko tamala moko na vif ya sije tata mokonzi ekolo ameki ko sala ba affirmation moko oyo eza tellement eko pousser ba kongomani nyonso na ba réflexion na ndenge ese elongo bani o balobaka na lingala papa ekolo alobi boye alobi les vrais parrains c'est-à-dire mutu oyo azali likolo mutu oyo azako soutenir Corneille Nanga eza ex président Kabila. Alors biso na kati ya RDC Monde TV tolobi boye eza ba parole oyo euti na munoko ya tata ekolo o babengaka azali moto oyo azali plus informé par ba service nyonso tangu papa ekolo affirmé eloko wana te ko comprendre biso la kati ya RDC Monde poto sala ba analyse poto tali sabino que ce n'est pas à vain que le président de la République peut prendre ce genre de responsabilité de dur devant l'opinion que réellement c'est le ex-président Joseph Kabila Kabange qui est derrière Nanga. Biso déjà nakati ya ba analyse auto sala kabana ekolo depuis longtemps to se posa ka question fondamentale qui est derrière Nanga. C'était ça la question fondamentale au biso to mekin pe ko se poser depuis longtemps nakati ya ba analyse politique auto sala kabomu mesam. Parce que d'abord Nanga d'une manière générale moi j'ai toujours dit Nanga fi président d'une institution qui a l'appui à la démocratie en boka la biso o babenga ka seni. To ebi bien ke ne konanga autaki na société civile o eza regroupement o eza la ka proche ya population. À la base ya ba élection o ele kaki na kati ya ba terme na société civile de e permettant de konanga akoma président ya seni. Après avoir kokoma président ya seni institution o ezali purement démocratique na kati ya boka na biso Toko lala tola muka toyoka kende konanga a créé mouvement moroboye AFC. N'est-ce pas? Et na katia AFC, tangu ne konanga abandi ba vantir na yewana ya AFC, alobaki ke parti na yewana fait mouvement na yewana ya AFC, ezan na ba agglomération ba tebele o ba ko soutenir ye o ba rejoindre na ye na katia AFC. Mais on n'a pas compris. Comment M23 ezalaki mouvement moko à part entière et comment AFC un mouvement aussi à part entière et puis d'une manière automatique là où les bas blessent c'est quoi? C'est cet automatisme où on s'est rendu compte d'une manière immédiate aussitôt pas même les années AFC et Botami et d'une manière précoce on s'est rendu compte que M23 est coté à Kati AFC et puis directement les cordons. Il y a un mouvement qu'on a de l'autre côté. Il y a S et Komi Nanga. Donc on s'est rendu compte qu'à l'heure actuelle, les patrons de M23 et Zasusu B30 et Komanani Nanga. C'est-à-dire, est-ce que AFC, mouvement, oh, Nanga Kreaki, comment d'une manière naturelle, automatiquement le même mouvement, et Sanganana M23, et puis va payer sa charge, ou on n'a pas mis Nanga. Nous, étant que des analystes politiques, étant que des communicateurs,
Tomeka déjà commis tout na question fondamentale. Qui est derrière Nanga? Et quelle est la vision de Nanga? Et pourquoi Nanga a accepté d'aller faire la rébellion ensemble avec M23? Autant qu'on comprendre que ce qui est sûr, parce que quand même il y a des questions qu'on doit se poser. La personne qui vient de débuter un mouvement, rébellion bien sûr, et mine de temps automatiquement, c'est lui qui devient cordon. Et ce qui est au Taliban analyse, ma communion sur le Kalakata M23, de moins en moins, ma autorité n'y sur M23, Bazolo Obama sous mingité, mais c'est toujours Nanga maintenant qui est devant. Ba messe betra bazongi sima ba placer maintenant Nanga devant. Yango na lobby que patron ya M23 à l'heure actuelle, eza susu ba betrante, eza susu ba ono soto eba kite e kominani Nanga. Alors, si on fait une analyse déductive, c'est qu'on va se rendre compte que AFC et M23 eza nango ka ke loko moko. C'est que ça ba stratégie o ba ngune ya mboka via ba parrain na bango ba rwandais Rwanda plutôt comme nation ba créer que kaka stratégie à l'interne ba bengi sinanga nanga komi patron ya M23 et puis pour ba tromper biso vigilance na eloko la bango ya AFC. Donc c'est-à-dire nanga avait aucune motivation de mettre en place ce mouvement. Et ça là qui n'a pas qu'à processer ce mot qu'on peut utiliser qui pour que Nanga ait nous rejoindre la Ngunia et la République, la mouvement ya M23. Yango wana, tant que papa est écolo, a mekien pe ko affirmer que la personne qui est derrière Nanga, c'est l'ex-président de la République, M. Joseph Kabila Kabange. Yé aza président de la République, papa Fachi, et koza la 20 ans au Makamwana, c'est-à-dire qu'il a une information réelle, c'est-à-dire qu'il a pris le temps, parce que quand un président ouvre sa bouche pour parler des choses tellement sensibles de la sorte, c'est-à-dire que l'information est vraie et véridique. Pour même ce que ton salaire est à analyse, totali démarche ya Nanga côté Nanga outi na ndenge Nanga créé mouvement na e mine de rien fusion ya AFC na fusion ya M23 comment yo o ekokuta batu comment yo o sala ki eloko na yo mbala moko batu ekokuta automatiquement c'est toi qui deviens le patron des gens qui ont déjà travaillé depuis longtemps. Ça ce sont des questions au photo mitouna parce que c'est compliqué bana Congo. A sali AFC, pas même 3 mois. AFC sangani na M23. Et puis automatiquement, c'est Nanga qui est le patron de M23 à l'heure actuelle. Et puis c'est lui qui patronne, c'est lui qui fait des choses, c'est lui qui fait des discours. Yango wana, tu peux comprendre, si le président de la République affirme que c'est Kabila qui est derrière Nanga, on s'est rendu compte aussi automatiquement que c'est Kabila qui est derrière le M23. On est sur la question de parce que photo ça là bas analyse mon corps projectif. N'a répété encore si et seulement si que Ezane Ndeko Kabila yendaza derrière Nanga. Automatiquement, on peut aussi déduire que c'est toujours le même Kabila qui est derrière le M23. Parce que, aussitôt Nanga crée son mouvement, aussitôt Nanga devient puissant de l'autre côté. Yango wana bandeko. Ton coach est là, on voit même une vidéo. Bah, c'est lui le propriétaire du M23 avec Kagame. Joseph Kabila. Et mon colonna ebaka qui est M23 ça y a yé. Nde mon colonna plia. Nga gaze que tozo bou. Oyo ancien. Il y a M23 affirme, je répète, un ancien membre de M23 affirme que tant qu'on a un moment où on a qui Goma, comme il y a Goma, on a tout basala qui s'y prie, que le mouvement où on a basala qui nango, l'idée c'était de venir de chasser Joseph Kabila ici à Kinshasa, mais on se retrouver à Goma
à comprendre que le parrain de E23 c'est Joseph Kabila. Bon, comment on a l'image, bon, comment on a la vidéo. Et ça, on a une de cochine de la lobby en côté, mais ça, vidéo, oh, oh, oh. De quoi les cas qui n'étant domiqué, étant noéqué, a affirmé que Yazala qui la Katama solo, bah, c'est lui le propriétaire du M23 avec Kagame. Joseph Kabila. Et mon colonna Ebaka qui est M23, ça y a yé. Nde mukolona plia ba nga gaze ke tozo bu ya M23 malgré azali susute parce que à un certain moment en 2013 azala ki na amsi mais alobi non et ça la bango passe tongo ba komi na kati ya Goma mais les gens se sont rendus compte que ils se battaient uniquement pour l'intérêt de Joseph Kabila et à quel prix loin la vidéo au que bogo mona ba téléspectateurs. Alors, il faut même un petit moussou sur mi boma pour ma cocaïne qu'on digère et l'eau qu'on a été. C'est ça ce qu'on appelle la haute trahison. Yango moni, le lot, pouvoir à Fachi, et comme yon bimbi sa ba vérité, on yon se zala qui caché. Pourquoi la question que togo mi tourna? Pendant rene yon se yande ko Kabila, aucun jour, batikala ko affirme que. C'est le Rwanda ou les Rwandais qui nous agressent. Et l'on croit que tu as dit mais c'est que, parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit ensemble pour piller la République. Et puis pourquoi ils ont toujours tendance? Il y a un côté de la carte de Massissi parce que tu as dit que tu as un minéraux rare. Ou ils ont s'intéressé à la complicité de la Yamboka. On va s'engager ensemble pour détruire notre propre pays. Mais quand on a pouvoir à Fachi, il y a une vérité que réellement, le Rwanda, le Rwandais, est derrière M23. Mais en attendant, on n'a pas jamais qu'on a cette vérité. Et c'est une situation paradoxale. En même temps, on a négocié, on a négocié avec Malamouté. Raison pour laquelle, na reine na bango, il y a eu au moins 5 négociations. Pour la problématique de M23. Et dans ma négociation, nous sommes et loko moko te tikala ko réussir. Parce que zalaki nango ba jeu ya ping-pong. Ba eba ki eloko yo, ba ba reko luka, ba eba ki eloko yo, ba enoko sala, ba eba ki eloko yo, oyo bango ba s'organiza ki po ba koma na bango ba milliardaire. Parce que savez-vous que na reine passé, la plupart des généraux sont des milliardaires, des millionnaires. Et lui-même, même n'en parlant même pas. Et ils étaient là en train de piller. Piller, je vous dis, ma téléspectateur, ma ressource, Nyonso Yambo Kalabiso. Oyo Nyonso Wana, il a fallu la stratégie, c'est quoi? La stratégie, il faut organiser la guerre d'une manière permanente. Il faut mettre à tout prix, je répète, que Kimia Ezalana STT, du fait que Kimia Ezalana STT, et permet à Kabango de piller ma ressource. Du fait que Kim est en SCT, et permet à Kabango de faire ça, oh, nous sommes en SCT. Il y a un moment, à un certain moment, la politique, tu as une ennemité. La politique, tu as un adversaire. Raison pour laquelle les Français ont dit, la politique est dynamique. La personne qui est un adversaire politique dans le lobby, dans le lot, il y a un moment où travailler ensemble. Il y a un moment où vous allez vous rendre compte, à un certain moment, dans le premier mandat, il y a Fachi. Tant que Fachi a eu le pouvoir, ok, choix, ils allaient quitter. Parce que le président a été élu comme président de la République. Mais de l'autre côté, au niveau du Parlement, ils allaient quitter. Il y a FCC majoritaire. Or, selon notre constitution, nous avons ce qu'on appelle un régime purement semi-présidentiel. C'est qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Parce que nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. N'est-ce pas? Il y a autant que le président Fachi, Azala qui est élu comme président en premier mandat, Bango, Azala qui est la majorité parlementaire, et on devrait faire ce qu'on appelle consensus. Il a fallu qu'on s'engage. Il dépasse à l'époque dans FCC. Mais l'idée c'était bonne, que tout pacifié pays. L'idée c'était bonne, que le pays avance. Et Fachino Mouté, Malam, il avait accepté. Raison pour laquelle, vous allez vous souvenir que,
bango bazwa plus de 70% ba ministère. Président ya Sénat ezala ki para bango à l'époque. Président Assemblée nationale ezala ki para bango à l'époque. Ba ministère nyoso regalé ya minene ba finance ezala ki na maboko na bango. On devrait faire route ensemble. Mais bato tellement que na mutu na bango bazala ki toujours na idée ya mabe po na république. Bazaye lokola papa oyo a ofute la mwana classe malingi mwana azwate. Pona nini? Tobandi marche ensemble na bango, vous allez vous rendre compte que tout a été bloqué. Bano sala makambu po bayinisa et bayinisa Félix, mais ba bosala ki ke Félix avant ensemble na Étienne. Et a compris déjà leur idéologie et a compris leur philosophie. Il a fallu à tout prix se séparer avec les gens que moi je considère les démons de la République. Il y a un monnaie comme ça, ce qu'on appelle l'union sacrée. Parce qu'il s'est passé des problèmes qu'on ne pouvait jamais supporter, ma chère téléspectateur. Nous étions dans un pays où le président de la République nomme, je répète, président de la République a nommé DG Nagé Kamine. Or, dans les processus, le président a nommé ministre a notifié. Le président nomme et ministre à l'époque a refusé de notifier le président a nommé. Aucun respect à l'époque envers le président. Et ça fait froid au dos. Événement de soit le cas ou le cas Moussabat. Président de la République a nommé un magistrat. Premier ministre Ayate. Premier ministre Atina porte parole naé. À l'école au Bible, on n'importe quoi na kati étant de ma télévision. Et nyo sowana et bon ko pesa passe. Mboka ezala ki bloqué. Il a fallu ba kongomani ya solo ba comprendre philosophie ya union sacrée pour to se séparer na pouvoir oyoana. Batou oyo bazala ki ensemble na batou mais balinga kite to sala route ensemble boko se souvenir comment de Koshadari abare ko passer batano so avec des propos pona ko réduire président de la république quand il disait on ne peut pas nous intimider mais c'est grave comment toi tu es juste un secrétaire d'un parti politique ozolo bana le commandant suprême. Le numéro 1 de la République, qu'on ne peut pas nous intimider. Et tout ça, et ça, c'est ce qui est le cas, et il y a une bonne union sacrée. Donc, tu peux comprendre, et tu peux proposer là, tu peux comprendre que, tu as un camp de l'autre côté, FCC, tu n'as jamais kolinga Mboka ou se développer. Tu n'as jamais kolinga guerre ici dans l'Est. Et tu n'as jamais kolinga pe ekota la kati ya mboka oyo yango moni Congo ezana ba ennemi interne et à l'externe. Il y a quelqu'un qui dit qui affirme quand vous constatez dans un pays où la plupart des politiciens sont devenus des commerçants, ça c'est un pays qui est bien organisé dans le pillage. Et vous allez vous rendre compte que la plupart il y a autorité, il y a pouvoir à Kala. Et bien, ils ont des biens colossaux. L'entreprise, ils ont travaillé ensemble avec les expatriés, les opérateurs économiques. Il y a des gens qui ont travaillé pour déstabiliser d'abord la monnaie ici d'une manière interne. Pourquoi? Parce que les gens qui ont fait des affaires, les opérateurs économiques, les camarades, ils ont fait des affaires. Et bazo déstabiliser d'abord l'économie en Mboka ici à l'interne. Et en même temps, ils sont en train d'organiser des guerres, la rébellion de l'autre côté, en train de financer la rébellion. Et en même temps, ils créent un seigneur de guerre dans la zone de Soya S. Tout ça pourquoi? Parce que Balingite Congo est en Kimia. Tout ça pourquoi? Parce que Balingite Congo est décollé. Tout ça pourquoi? Parce que Balingite Congo est évolué. Mais tu es ici, Bangoboui. Mboka o ezamboka ya Kimbangu, mboka o ezamboka ya Lumumba, mboka o ezamboka
ya Etienne bakolonga te pona nini déjà basali ba makamu na bongo nyoso ba comprendre kaka te ke makamu eko sila te. Nous nous sommes très convaincus et aux assir avec la guerre de l'Est, avec la stratégie à Fatshi, il y aura ce qu'on appelle la paix durable. Exactement, le cola oba bango ba ko sala normalement parce que ngala lo ba ka Fatshi za mutema malam parce que place yande ko Kabila eza na prison eza libanda te parce que déjà ceux qui servent sa sécurité ou soit ceux qui déjà mukondi azo koloba azo ko affirmer que c'est elle qui est derrière. C'est-à-dire sa place ne mérite pas à la libanda na kingakati nenga vanda na kimia. Sa place mérite d'être en la prison makala. Fallait aza la juger. Ce qui va fait eza observable, ce qui va fait eza prouvé place nae azo mérité aza na prison comme les autres. Parce que il y a déjà la peine de mort. Ba on ne soit ba traître la république, ba zo mérité te koza libanda ya mboka, ba on mérité koza la kati ya kacho boloko. To pesimbote, to sepe la mino ba telespectateur, bo no so bolanda kabiso, continue toujours à s'abonner et à liker nos vidéos. To ebisa kibino to zongi na kati ya RDC Monde TV, po to pesa kabino ba information ata réel. To pesi bande ko nyonso, o ba na kati ya association RDC Monde TV, o ba zali bande ya mboka, o yo ba kenda na repetaka ba toujours na motema malamu, na esprit patriotique pour mboka la bango. To pesi bino mbote, bo continue toujours kolinga mboka la bino. To pesi pe presidente mama Pauline Lumumba mbote kota zali. Naba effort nyoso kwa sala, naba effort nyoso ba ko fournir pona eke fond association RDC Monde TV, RDC Monde plutôt, ekende malamu. To kutani bientôt, bye.